Bonjour à tous, c'est DarkCLB, c'est Basti Power et Léo Kim. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la nouvelle série Quel est le meilleur VTT. Donc vous avez déjà vu 4 épisodes avant, mais là c'est tout nouveau format. Et on va commencer ce nouveau format avec Mon vélo, tout simplement, le Nakamura Complete 7140 de chez Nakamura. Ouais. De 2016. C'est parti, on regarde tout de suite tous les composants. Let's go. Voilà, donc mon vélo c'est un vélo All Mountain en 27 pouces et demi. Donc on commence avec la fourche, c'est une RockShox Sector en 140 mm de débattement. Donc la manteau, c'est un RockShox Monarch en 140 mm de débattement aussi. Donc pour le dérailleur avant, je suis chez Shimano, donc le Deor XT. Et derrière, j'ai le Shimano Deor Shadow en 10 vitesses. Pour les freins, c'est tout simple, c'est les Avid DB1 accompagnés avec des disques de 180 mm de diamètre. Pour la tige de selle télescopique, c'est une KS Kinshock Iten Remote. Pour les roues, c'est des Karma Match One accompagnés des pneus Hutchinson Toro à l'avant et des Maxxis Minion DHR2 pour l'arrière. Le cadre, c'est un cadre en alu. Le poids du vélo, c'est 14,8 kg. C'est un poids convenable pour de l'enduro. En conclusion de cette vidéo, on va voir les grands points négatifs de ce Nakamura. C'est parti Léo Kin. Donc premier point négatif, c'est le câble de la tige de selle télescopique qui est mal mis, il frotte contre le cadre et ça abîme, vous voyez là, j'ai perdu de la couleur et du coup c'est pas très cool. Deuxième point négatif, c'est les roues, elles n'étaient pas compatibles tubeless, du coup j'ai dû les faire compatibles tubeless avec le scotch et j'ai dû acheter des nouveaux pneus, les autres ils n'étaient pas compatibles. Et troisième point négatif, c'est que je déraillais souvent en faisant des fakis notamment, du coup j'étais obligé de me faire un propre tendeur de chaîne. Voilà, on enchaîne maintenant avec les points positifs de ce Nakamura. Léo Kin, c'est à toi. Donc premier point positif, c'est que je peux mettre une gourde, c'est bête mais moi je trouve ça très pratique, notamment quand je fais du vélo dans la rue, pouvoir vite mettre ma gourde et c'est parti. Voilà, donc deuxième point positif, c'est la polyvalence du cadre, il est très bien en descente qu'en montée. Donc le troisième point positif, c'est le design et les suspensions, bonne géométrie à l'arrière, bien pensée avec la manteau qui passe dans le cadre. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à choisir votre VTT. Et nous, on se dit à une très prochaine vidéo. Ciao, ciao!